Alors, messieurs, nous allons continuer ce combat où vous avez bien pris, vous avez lancé rafale contre le chef et de nombreux. C'est une vraie, véritable fusillade. C'est l'hécatombe chez vos adversaires. L'œil du chacal, hein, ce gang a perdu le mec qui servait pas à grand-chose, Jibilo, qui était cramé du cerveau, coup de machin, s'est pris quelques coups de couteau de Diego. Il a toujours certainement pas encore compris pourquoi Diego qui était pas Diego, hein, C'est pas Diego. qui était Vinicius et qui a dû se dire mais pourquoi Vinicius? Et de l'autre côté, Rosen qui s'est fait maraver la tronche dans la pièce. Jusqu'au sang, voire ont été picorés à coups de rapière de chien ou quoi que ce soit. Résultat, elle est tombée KO, elle saigne, elle pisse le sang. Et pendant ce temps-là, eh ben, il faut bien le dire, le combat est rude pour l'œil du chacal qui s'attendait pas à se faire attaquer de la sorte de l'intérieur. Ils sont donc chacun est dans son coin en train de tirer, ce qui n'est pas plus mal. Et c'est à Craniote. Alors. Donc, ça ne m'arrange pas vraiment que ces joyeux drilles soient retranchés. Tu mets pas la map? Mes excuses, je pensais que le partage avait été bien lancé, mais là c'est bon, vous l'avez? Là, ça est en train d'arriver. C'est sur fond blanc pour l'instant, mais ça arrive. D'accord, parce que je l'ai fait Ah, yes, plusieurs c'est bon. fois, donc. Ok, bon, c'est bon cette fois. Donc tu disais Craniote. Alors, ce que je vais faire, c'est donc pendant que tout le monde est en, pendant que tout le monde est en train de tirer, j'ai une idée. Tac, tac, tac. Je vais commencer par lancer mon avant-dernier sort de niveau 1 de niveau 1 de la journée. Tu appelles les sorts. Et oui, j'ai des Alors, sorts. exactement, tu entends les murmures qui guident Et tes donc du coup, je paroles. vais et Oui? donc du coup, je vais lan je vais lancer le sort de je vais lancer le sort de bouclier. D'accord, tu appelles petit à petit les paroles, tu les entends dans la tête, tu ne sais pas quelle divinité semble répondre à ton appel divin, hein, entre guillemets, hein, tu appelles les divinités à ton aide et une aura magique commence à venir te protéger. C'est ça. Je dis à Azaré et à Azavine qui sont juste derrière moi. Je crois que j'ai une idée. Je crois que j'ai une idée. Je crois que j'ai une idée. Je vais me jeter, comme vous allez voir me jeter sur eux, surtout ne me regardez pas. Et du Ok. coup, je vais me mettre juste là. D'accord. Et je vais sortir un petit bâton. Je vais sortir une espèce de petit cure-dent de mon sac et me le caler entre les dents. Ok. Donc, Diego Craniote a joué Et le. du coup, Oui. c'est le tour du centipède. Oui, le centipède qui attaque toujours. Je vais le faire. Hein. Hop. Allez, mord-le, le clo-clo! Donc, vous Putain! voyez que le Clotalcine esquive et donne des coups de pied à ce foutu centipède géant qui est énorme, mais qui potentiellement dans les caractéristiques ne fait pas peur. Hein, mais sinon, si nous on le voyait, on ferait dans notre froc, hein, il faut bien le dire. Ce dernier n'arrive pas. Après, c'est à Raphaël qui il agonise, il ne peut pas jouer. Donc, Constantine arrive, il fait fermer les portes! Barricandons! Je m'occupe de cette saleté! Et ce dernier frappe. J'ai fait un 1 et un critique. D'accord, donc je tue le pauvre centipède qui Oh. disparaît de petite lumière car il a été invoqué. Donc, il a frappé 2 fois et il va utiliser un pas de placement pour essayer d'éviter qu'on continue à lui tirer dessus.
Alors, Rosen aussi agonise. Vinicius fait « Ah, laissez-moi sortir !» Et Azavid, qui, lui, voit bien qu'il n'a plus en cible Clo-Clo, décidément. Pourquoi je lui ai donné ce nom alors que je joue à Total War Clotalcine, donc, il se met là et il va tirer sur le magicien. Et il le rate. Ah, il était déconcentré. Hein. Il fallait qu'il passe une porte. Il tire. Il a tiré dans Rafale. Non, je déconne. Pauvre Azaré, qui voit son chien agoniser. Que fais-tu? Eh bien, je vais utiliser ma fronde. Donc tu prends une pierre et tu tires. Tu tires sur qui? Eh bien, sur Clo-Clo, là. Ça passe, là, non? Oui, il passe à travers une case d'une personne, donc il va avoir un petit bonus de classe d'armure, mais vas-y. Allez. Et donc, on continue, tu lances, et tu vois que tu es comme Azavin, toi aussi tu as du mal à te concentrer. Je pense que c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait donné des ordres, qu'il y ait un chef. Vous voyez, ça vous perturbe. Vous n'avez pas l'habitude qu'il y ait un chef et que les gens obéissent. Donc Elena arrive, fait un pas de placement et utilise ses actions de mouvement pour fermer les portes. Et vous l'entendez donc bloquer les portes. C'est à Diego. J'ai pas pu intervenir quand elle a fermé les portes alors. Ah bah oui, elle agit avant toi. C'est un fait. Donc toi t'étais là et... Oh non! Eh bien, je vais utiliser mon déplacement rapide, le plus rapide que je puisse, pour aller ici et entrer par, si possible, passer là. Tu me diras ce que j'arrive à faire dans un round, de courir, ouvrir la porte et rapidement pouvoir tenir en ligne de mire. Donc je vais déplacer mon personnage pour t'expliquer ce que je tiens en ligne de mire, c'est-à-dire ici. Et donc du coup là j'essaye d'arriver par là et bloquer l'issue si jamais ils décident de commencer à vouloir sortir, je les prends en traître là-bas. D'accord, alors en fait tu arrives jusque là, tu cours, tu peux courir jusqu'ici, mais ça va te bloquer parce que la porte est fermée. Donc comme elle n'est pas ouverte, tu peux pas la passer comme ça. Je peux l'ouvrir quand même. Bah ouais. Non, ça te coûte 2 actions de mouvement. Donc j'ai okay. compté, hein. J'ai compté, et donc tu n'y es pas encore, mais je considère que tu es dessus. On va dire que tu as la main sur la poignée, au prochain tour, okay. tu l'ouvres sans aucun souci. Très bien. Donc en effet, tu as couru, et tu ouvres, et je considère, disons que tu as la main sur la poignée, et ça te coûtera rien pour le prochain. Est-ce que là, je me suis aperçu que Rosen est au sol ou pas? Est-ce que je l'ai vu au sol en train de mourir à moitié ou pas? Alors, oui, je considère que tu as marché dessus quasiment, quoi. Donc, oui, c'est ah ouais. Rosen. Est-ce que il y a qui le plus proche? C'est le mercenaire, c'est ça? C'est que ça, je connais pas très bien. Moi. Tu peux parler. Je lui dis, soignez-la, faites quelque chose. Donc, t'as Zavine? Hein? Ah bon? J'ai un sort pour la stabiliser. Je pourrais m'en occuper au prochain tour. Non, il n'y a pas de prochain tour. Tu sais, c'est dans la réaction. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Et il y a Jibilo qui... lui, il peut crever. Donc, vous savez pas ce qui se passe pour celui-là. Donc, ça, il joue. Néanmoins, toi, Diego... Tu es du côté de la porte, donc t'as la main sur la poignée, et t'entends une personne qui parle assez fort, mais pas suffisamment fort, une personne qui semble vomir, et une autre qui est en train de dire « Tiens bon, attends, je sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Donc tu entends quelqu'un paniquer, mais qui hurle pas à l'aide, quoi. Pour l'instant, tu entends juste qu'il y a des personnes à l'extérieur qui...
qui semble être en panique. En panique et... t'as l'impression que quelqu'un vomit, quoi. Ouais, j'ouvrirai la porte peut-être un peu moins franchement que prévu, en étant en mode un peu plus discret. Craniote, c'est à toi alors. Quand même, attends, je vais quand même regarder bien ce que je suis en train déjà de faire. Déjà ? Ah ouais. Bah oui. D'accord. Et la moitié sont morts, ça va plus vite. Ok, donc la porte est fermée, est fermée du côté des du côté de l'œil du chacal. Oui. Et donc et la porte, c'est pas les portes pourries des chiottes, c'est quelque chose de plus solide. Là c'est quand même un peu plus costaud, et puis tu vois bien que les deux portes sont bien fermées, quoi. Tu sens qu'il y a du poids. Ok, donc si je peux, j'ai 6 de déplacement, je vais me caler derrière Diego, et je recharge, et je me tiens prêt à ouvrir le feu sur le premier truc qui se pointe. Tu prends et tu recharges en courant, ça, tu entends les mêmes sons que Diego. Ok. Donc ensuite, le rafale agonise, hop, ça vous ne voyez plus. Rosen, ouf. Ça fait... Non, pas encore. Lui, vous l'entendez, Diego, t'es à côté, tu l'entends, Vélicius, salaud! Ah, on l'a baïonné. Ah oui, c'est vrai. Alors, il donne des coups. Et Azavine qui fait très bien, vous le soignez. Je reste là pour au cas où qu'il sortirait de la porte. Je me tiens. Je prépare mon arc. Je tiens ce côté-là. Très bien, Azavine. Azari. Eh bien, du coup, je me mets vers Rosen pour lui prodiguer mon sort de Stabilize, pour faire en sorte qu'elle ne meure pas. Donc, tu appelles les pouvoirs de la nature qui t'écoutent habituellement, hein, et te permet de dégager une énergie qui réchauffe et surtout qui empêche les blessures de continuer à saigner, afin d'éviter qu'elles meurent d'anémie. Hop. Alors de l'autre côté, vous entendez des bruits du côté de la porte, qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Vous voyez qui font quelque chose et vous entendez des voix un peu étouffées. Ah oui, non, merde, j'ai oublié de faire jouer Clo-Clo. Clo-Clo. Il a joué entre Raphaël et Rosen normalement, non? Oui, tout à fait, je l'ai oublié. Je vais le jouer. Ok, ouais. Et pour l'instant... Hop. Ok... Ça marche. Donc là, je l'ai fait. Azavine a joué, Azari a joué. Il a joué. Diego. Combien de temps ça me prendrait pour me revenir au déguisement de marin? Je crois que c'est une action mouvement. Je vais regarder un déguisement rapide. Le déguisement rapide et puis... ouais, enfin voilà. Le chapeau et tout bon. Ce qui va avec. Je le recherche vite fait. Hein. Déguisement ajustable. C'est un don, hein, déguisement rapide, hein, on est bien d'accord. C'est un talent de voleur. Talent. Ok, je sais ce que je vais faire, je vais chercher un bla. Ah bah non, mais sur ta fiche, tu dois avoir la description. Alors, comment ça, déguisement rapide.
Un hobelard disposant de ce talent peut utiliser le jet qu'il a à portée de main. Nanana. Dépend de la complicité du déguisement. Les temps sont cumulatifs de sorte que si il veut se déguiser en un homme d'une race différente, celui-là lui demande 2 minutes. Ah oui, ouais, non, c'est quand même. Ah, disons que non, aussi rapidement, non, mais au moins tu peux faire en sorte de ne pas ressembler à Vénitius, quoi, si tu le désires. Mais il va te falloir en effet un peu plus de temps. Ah, là, en fait, si tu veux, c'est comme les tours, c'est des secondes, c'est bien trop rapide, quoi. Ouais, ça serait très long là de me remettre bah, en termes de jeu de combat, oui. En termes de jeu tour, en dehors des combats, non, c'est hyper rapide. Tu t'imagines, en 2 minutes, tu changes complètement de visage. T'es un transformiste, sauf que chaque tour dure 10 secondes en fait. Voilà, c'est ça quoi, c'est 6 secondes. Louche. Donc, que fais-tu? Écoute, je vais en trouver. Ouais, ça va me demander plusieurs actions tout ça. Si j'en trouve la porte pour regarder, c'est une action complète. Non, j'accepte que ce soit une action libre. Tu jettes un coup d'œil pour faire un jet de perception si tu veux. Je jette un coup d'œil pour faire un jet de perception, puis du coup, bah, je vais voir ce qui se passe et puis agir en fonction de quoi. Ça marche. Fais-moi un jet de perception. Perception. On va dire simplement que si tu rates ton jet de perception, bah, ça va te coûter une action. Mais si tu le rates pas, t'as le temps de faire un petit jet. Oui, je suis pas les règles de Pathfinder à la lettre. Hein, quand je trouve que c'est un peu carrément. Donc hop, tu jettes un coup d'œil. Oui, t'as réussi. J'avais mis une difficulté de 15 pour le faire. Donc tu regardes. Donc tu vois en fait tes deux camarades, Cladios et Curbti. Et, pas l'air en forme. Et non, quoi, il y en a un qui est pas en forme, c'est Cladios qui est à terre, tu vois, qui vomit de l'eau et qui a quelque chose d'assez étrange. Et tu as vu aussi qu'il y avait Oise-Oise qui est en train d'essayer d'analyser ce qui se passe. Et bon, bah pour le moment, tu vois qu'il a le visage assez de kobold, hein, assez inquiet. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est pas normal! On dirait un parasite! Je sais pas si j'ai envie de m'approcher, du coup, je me dégrime, je prends l'initiative de me dégrimer pour essayer de revenir en marin. D'accord, et quitter. Tout en regardant la porte entrouverte pour regarder ce qui se passe et puis voir si ça part pas en couille. Ça marche. Donc en effet, le combat peut s'arrêter pendant un temps et reprendre un peu plus tard. Hein. Donc là, pour l'instant, si vous n'arrivez pas à faire un statu quo ou si eux ils ne bougent pas, il se peut en effet que bah, vous restez en défense pendant quelques tours. Vous pouvez faire des bandages sur vos blessures ou des trucs comme ça. Hein. Bon, en tout cas, moi, je prends pas l'initiative de rentrer. Ça voilà. Marche. Donc, Oise-Oise est en train d'aller, tu le vois aller là-bas, en train d'essayer d'analyser ce qui se passe. Mais apparemment, ça va lui prendre un peu de temps. Là, il commence à regarder un peu ce que c'est, quoi. Craniote. Alors, moi, du coup, donc je regarde Diego et je dis qu'est-ce que t'as vu? Écoute, je crois qu'il y a un mec il a un problème et il vomit de l'eau. Et il vomit de l'eau et il a envie de te dire, il n'a pas trop envie de savoir ce qu'il a exactement. Il y avait plutôt rester ici, me revenir en marin comme ça, avec un peu de chance, je vais réintégrer le groupe. Alors, attends, je remette la main sur ce truc. Donc, dans la grotte, c'est le même genre de semi-pénombre qu'il y a dans le laboratoire ou c'est mieux éclairé? Non, c'est sombre, mais potentiellement il y a des lampes à l'huile qui ont été disposées pour pouvoir mettre un peu de lumière, et il y a quelques torches qui sont disposées aussi dans la caverne, donc c'est un peu plus illuminé quand même. Parce d'accord. Que, de rien, sinon, est-ce que c'est... Oui, que dalle, sinon. Donc, est-ce que c'est vraiment comme ça? C'est-à-dire qu'il y a des stalactites, des... Oui, tout à fait, ouais, tu peux considérer que c'est comme ça, ouais. Ok. Donc, dans ce cas, je vais sortir un objet que j'ai dans mon sac depuis le début de l'aventure, qui s'appelle la poudre obscurcissante. D'accord.
Description. Cette poudre noire chatoyante permet pendant une minute de couvrir une créature d'une couche de ténèbres. Dans une zone faiblement éclairée, elle bénéficie d'un camouflage total. La poudre ne produit pas d'effet dans les zones vivement éclairées ou ténébreuses. En gros, ça me permet d'être beaucoup plus discret dans les zones faiblement éclairées. C'est tout à fait le cas. Donc du coup, je prends la poche. Je m'applique la poudre comme ça et je vais essayer de me glisser dans la grotte. Ça marche. Donc comme on va sortir du combat, on va quand même voir ce que fait Azaré et puis bien sûr, vous voyez que votre mercenaire Azavin, lui, est rentré. Il va utiliser en fait les portes pour pouvoir se couvrir et essayer de couvrir de se mettre en camouflage et se met prêt pour tirer s'il y a une personne qui essaye d'ouvrir les portes. Que fait Azaré? Du coup, là, le sort de stabilisation que j'ai fait sur Rosen, il est one shot, ça c'est bon, ok. Ouais. Est-ce que du coup, je peux aussi l'envoyer sur Rafale en étant à distance? Non. Avec mon. Et puis tu le vois pas. Il faut que je le vois, ok. Ok. De toute façon, tu sens plus le lien. Ok, ouais. t'es mal barré, quoi. Non, j'étais en train de me dire que tu pouvais envoyer le sort à distance, mais je vais te dire simplement, tu ne sens plus le lien, quoi. Ok. Bon, genre de chien. Ouais, c'est moche. Du coup, je vais me mettre... Je vais rester avec Azavin, moi, pour essayer de faire pour être deux et deux, quoi. Et en me mettant à couvert de manière à pouvoir checker s'il se passe des choses, en essayant d'écouter s'il se passe des choses aussi qui pourraient nous remettre en danger. Et puis essayer de me faire des bandages, effectivement, pour récupérer peut-être un peu de... Si tu veux écouter, il faut que tu t'approches de la porte, hein. Mais par contre, tu peux essayer de te mettre à couvert, par exemple, ici, du côté des deux portes. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Je voulais me mettre à couvert et écouter ce qui se passe autour de moi pour être, on va dire, vigilant si j'entends des bruits qui se rapprochent ou quelque chose, quoi. Après, tu peux aussi choisir les toilettes, hein, si tu veux te mettre à couvert. Hein. Elle est pas vrai, très bien, t'as raison. Toilettes, comme ça, moi, je suis à couvert. Il t'a influencé, hein, parce qu'avant, t'étais quand même... Tu retournes dans les toilettes dont a jailli un scolopendre. C'est ça. C'était le tien. Je tiens à préciser. Oui, tous les scolopendres, tous les mille pattes dégueulasses sont à Cragnotte. Il les possède tous. je crois que je t'ai influencé, mais ça dépend si tu veux te barricader dans un coin ou si tu veux pouvoir te fuir ou quoi que ce soit. Hein. C'est toujours pareil. Je veux rester pas loin de Azavin quand même pour qu'on soit en groupe et puis s'il se passe quelque chose, qu'on puisse s'aider mutuellement. Considère qu'on sort de combat, d'accord ? Et le temps passe plus vite. Hein, ça veut dire que si vous voulez voir, vous pouvez entendre, écouter ce qui se passe, quoi. Du coup, comme moi, ma poudre a fait effet que pendant une minute, donc je me l'applique et je rentre dans la grotte. Ça marche. Normalement, je peux aller... En une minute, t'as 10 tours. Hein, donc, déjà, tu vas juste me faire un jet de discrétion. Ouais. Et tu vas voir, en fait, un autre personnage. Sachant que je suis plus discret. Hein, je suis une masse d'obscurité qui se déplace, littéralement. Oui, je comprends très bien et tu vas pouvoir faire tes jets de... On va dire que tu vas faire deux jets de discrétion. Joli. Ah oui, quand même. Donc t'as une minute, donc t'as quand même pas beaucoup de temps, mais potentiellement, même en étant discret, tu vois que tu es assez bon pour pouvoir te déplacer, même pas en étant pas à pas, quoi. Tu peux quasiment courir, quoi. Donc n'oublie pas que le 10, c'est le sarcophage, qui a le rituel juste à côté. Et il y a une grande barque.
Et tu vois que bah, l'eau de l'océan monte petit à petit, quoi. C'est la marée. Hein. Donc, D'accord. Bon, là, il faut dire que c'est des minutes qui sont passées, donc c'est pas énorme, ça n'a pas vraiment beaucoup monté, quoi. Ok. Du coup, qu'est-ce que je vois de plus de là où je suis? Alors, tu vois Oise-Oise qui est en train de regarder. Qui est en train de regarder les vers. Il est en train de prendre un livre. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ça fait pas partie. Tu remarques, tu vas me faire un jet de perception pour que je sache ce que tu arrives à remarquer en fait dans la pièce. Ok. Et pour que tu puisses avoir plus de multiples options pour. Ouais, c'est ouais, pas non. Terrible. Néanmoins, c'est comme la discrétion, c'est 2G. Parce que je considère okay. que ça prend un peu de temps. Sur les 10 tours, c'est déjà mieux. C'est une moyenne, hein, de toute façon, mais ça reste quand même mieux. Donc, ok. Tu remarques qu'il y a les fioles des rituels, pas loin du sarcophage. D'accord. Donc tu remarques ces dessins. Et tu vois que le gnome qui est un peu malade et n'est pas mort, hein, il est juste un peu KO. Et tu entends et tu vois à peu près ce qui se passe. Mais c'est un truc qui te chagrine, c'est que en effet, hein, ça va durer qu'une minute hein, pour se cacher. Tu vas peut-être rester à couvert, peut-être même après le sort. Mais ouais. Tu remarques des vagues assez forte qui remonte du ruisseau quoi de l'eau quoi. D'accord. Mais on n'a pas encore les pieds dans l'eau. Non. Pour l'instant, c'est en train d'arriver au second niveau. Je vais te montrer. Ah bah je vais essayer de faire une flèche tout simplement. Donc, ça arrive en fait à ce niveau là quoi. Ça a monté, on va dire. 30-40 cm en le temps que vous entrez, que vous discutiez, qu'il y a eu tout le va-et-vient, on va dire en un quart d'heure quoi. Donc si je résume, moi les potions, je sais que ça sert à un rituel, mais je ne sais pas quel rituel. Exactement. Peut supposer que c'est en rapport avec le sarcophage. Tout à fait. Elles sont où précisément ces potions? Elles sont là où il y a les lumières à côté du sarcophage. Je vais mettre un triangle. Hop. D'accord. Il y en a combien des potions? On voit deux. D'accord. Donc pendant que je bénéficie encore, de ma discrétion renforcée, je vais essayer d'en voler une. Tu en voles une. Tu peux même en voler plusieurs si tu le désires. Avec les jets. Bah, si je peux voler les deux, je vole les deux. Par contre, le temps commence à te manquer. Tu entends Oise ici. Ce parasite émet de la magie. Une sorte d'alarme. Non. Une alarme? Non, c'est peut-être autre chose. Et du coup, j'en. C'est tout ce que tu entends pendant la minute. Si tu veux rester, ben, tu devras refaire des jets de discrétion. Oh oui, mais de toute façon, je reste accroupi derrière la stalactite. Je bouge plus là. D'accord. Diego, toi, tu restes toujours là-haut? Bah, quand j'ai fini de me dépatouiller, que je suis revenu au marin, j'allume. Okay, comme lui, il reste à couvert, je vais juste lui demander 2G de discrétion pour savoir s'il se fait voir, mais sinon, après, ce sera ton tour qui s'est bien climé en l'autre marin, et voilà. Ok, pas terrible, deuxième. Ok. Le grand écart, hop! Fait. Je vais faire. Je tiens des vins.
Donc, tu vois, en fait, Troberk qui fait « Oh ! Lui là-bas !» Donc, il te remarque. Et tu vas me dire ce que tu fais. Est-ce que tu essayes de fuir pour rejoindre la porte? Ou est-ce que tu restes derrière alors qu'il va te tirer dessus? Écoute, moi je suis à couvert. Je suis à couvert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester posément là où je suis. J'ai mon arme et je sors mon arbalète qui est chargée. D'accord, donc il va y avoir des échanges de tirs. Alors, comment on va faire ça, peut-être pas tour par tour. Mais tu vois Boisoise, là, au secours, il faut que je revienne, tant pis pour eux. Chef, ça a l'air de mal se passer. Tiens. Quelque chose semble arriver. Alors bon, bah, Troberk et toi, toi que lui aussi, il se met contre les rochers. Hein, il utilise des roches pour se mettre à couvert. Et essayer de te tirer dessus. Et pendant ce temps, bah, Diego va arriver, quoi. Diego, tu es maquillé. J'ai entendu que quelque chose va arriver ou pas? Oui, tu entends qu'il y a quelque chose qui est arrivé, oui. Parce que là, il a crié pour se faire entendre. Ok. Moi, je vais tracer par là, très le plus discrètement possible. Pour arriver en marin discrètement et sortir tout d'un coup du truc, quoi. Dans la pénombre pour essayer de pas sortir à vue. Ça va être difficile, hein. Très difficile même. Mais c'est possible. Parce que en effet, il y a la pénombre qui peut t'aider à y arriver. Donc tu vois que Kirby secoue Klaatios, il essaie de le tirer. Je te laisse faire... Le jet de discrétion. Ouais. Bon, non, juste un jeu de jet, c'est pas utile. Il est la nuit. Il est la nuit, donc tu essayes de t'approcher. Et en effet, tu as trouvé un endroit qui peut te paraître crédible d'être une cachette où tu t'es caché, quoi. Ouais. Et du coup, je sors la tête et je regarde le mec qui m'a déjà tiré dessus. Et je sors la tête. C'est fini. Il fait, mais non, cache-toi, tu vois bien qui est là. Fais gaffe. Quel crétin. Bébert est là, il s'est caché ce trouillard. Bon, ça m'étonne pas. Alors, on va faire, Craniote, on va faire 5 jets d'attaque, puisque tu vas tirer entre vous. Mais avant ça, je veux savoir ce qui se passe avec Azaré. Et surtout, Azaré, tu vas entendre des choses. Tu vas entendre des choses parce que tu es resté. Elle écoute, et tu entends bien sûr Klaus Telsin en train de discuter. Il dit « Bon, pour l'instant, je n'utilise pas ma potion d'invisibilité. Il semblerait qu'il se passe quelque chose de grave qui va arriver encore plus que ce qui nous arrive maintenant. Avec un peu de chance, on pourrait s'en servir pour se débarrasser de ces idiots. Donc, reste là, on va analyser ce qui se passe. » Et ensuite, on agira. Voilà ce que tu as entendu, Elsa. Okay. Ok, et tout ça vient, bien évidemment, de la pièce où ils étaient juste tout avant. À fait. Hein. Alors, après, okay. Donc, c'est à toi de savoir si tu désires... quand tu regardes, quand ça arrive, ben, c'est un peu tard. Hein, tu sais que tes collègues sont partis, mais tu n'es pas tout seul. Tu as le PNJ, Azawin, qui est là, en train de pointer l'arme. Ah, ils sortent pas. Donc, ouais, je suis avec Azawin. Est-ce que la porte là qui nous sépare de l'autre pièce là, on peut pas la défoncer si on s'y met tous les deux? Si vous pouvez essayer, mais ça se fera pas en quelques secondes. Hein. Vous avez pas non plus une force extraordinaire. Azawin te regarde quand tu lui poses la question. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis que j'ai entendu justement qu'il y avait Clouclou qui était en train de mijoter encore un sale tour et qu'il y avait quelque chose que Diego et Craniot ne savent pas. Parle-le en RP, là. On va essayer d'être un peu moins en RP. Qu'est-ce qui se passe à Razine? Azaré,
Écoute, Zavin, je viens d'entendre de l'autre côté de la pièce, là, il y a Clo-Clo qui a une potion, et mes Diego et Cracknotes ne sont pas au courant. C'est une potion qui pourrait le rendre invisible, et ça pourrait leur jouer vraiment des mauvais tours. Je pense qu'il faut toujours essayer de maintenir son attention sur cette pièce. Est-ce que tu penses qu'on arriverait à défoncer cette porte ? Ah non, j'ai absolument rien pour... on peut lui donner des coups pour attirer des bruits, mais c'est tout ce qu'on pourrait faire. La casser, ça va prendre du temps. Mais on peut attirer l'attention en frappant contre la porte. Eh bien écoute, on va essayer de faire ça. On tape sur la porte pour attirer son attention. Il range son arme, il sort son épée, et il s'en approche pour donner des coups. Ah, tu viens, Azaré ? Allez, je me joins à toi, et puis on tape sur cette porte. Allez, on essaye de faire du bruit. Et toi qui n'essayes pas vraiment toi, de casser la porte, certes, elle était un peu endommagée par le temps, mais tu vois bien que ouais, pour la casser, il faudrait plusieurs minutes. Ok. Alors. Bah écoute, quand on secoue la porte là, est-ce qu'on entend de la réaction derrière ? Oui. Est-ce qu'on entend... Tu vois qu'il y a quelqu'un qui essaye de. Fais attention, il pourrait traverser avec le coup d'épée. Il dit ouais, elle va tenir. Oui. On se prépare s'ils essayent de rentrer. J'entends toujours Clotaldine. C'est Clotaldine qui donne les ordres. Tu entends d'autres personnes qui parlent. Une voix un peu aiguë qui semble être celle du kobold et d'une femme à voix forte qui semble discuter avec son acolyte pour justement éviter que ça se passe mal. Mais du coup, j'entends plus Clo-Clo. Non, Clo-Clo, quoi, tu l'entends et il dit oh, il tenait la porte, mais il essaye pas, il semble pas être plus. Il dit pour l'instant, on reste là. Quoi. Tu non, mais voilà, je sais qu'il est toujours dans cette pièce. Je sais qu'il n'a pas quitté cette pièce. Ok. Et ben dans ce cas-là, on continue à attirer l'attention. Ok. Donc à ce moment-là, pendant tous ces tours, tu essayes de viser Cragnot. On va faire 5 tirs, sauf que vous avez une classe d'armure augmentée. Vous êtes tous les deux à couvert et que vous ne pouvez pas prendre. De risque pour vous prendre une flèche, je considère que vous avez plus 6 de classe d'armure, tous les deux, et que, en gros, si vous arrivez à toucher, tant mieux. Quoi. Alors. Ok. Eh, c'est pas beau comme j'ai de dés, hein, c'est pas beau comme j'ai de dés, s'il y a un mec qui la ramène encore sur ses jets de dés, hein. Bah t'as fait un D20, c'est bon. Hey, 5, 5, 3, 7, 4. 5, 5, 3, 7, 4. Ça, c'est de la moyenne. Ah, vous pouvez être fier de moi. 21. 16. 24. 7. Et c'est le 19 qui passe, le crit. Est-ce qu'il va être survivant, le pauvre Trobert, parce qu'il n'a pas beaucoup de classes d'armure, le pauvre. Ah ça, il essaie de tirer sur un kobold derrière une stalactite. C'est pas forcément, donc tu le touches 3 fois, dont un critique. Le critique, c'est le maximum de dégâts. Parce que tu as une arbalète, ton arbalète, elle fait combien? Elle fait 1d8. 1d8, donc il va se prendre. Et je suppose que c'est pas un elfe. Non, c'est pas un... Donc tu me jettes ensuite 2d8. Quoi, tu fais des dégâts, quoi. Alors, c'est bon, ça suffit. Une fois, ça, c'est... Oui, non, le critique... il l'a compté comme le crit. Ouais. Oui, c'est pas grave, donc c'est pareil. Donc, avec tous ces tirs, comme c'est toi qui es le gagnant, tu le vois, il dit, oh là, c'est beaucoup trop dangereux pour moi, d'ailleurs. Hop. Et il dit, je rentre. Je vais en profiter pour rentrer. Ah, donc tu arrives. Attends, ferme pas la porte. Mais t'es fou. attends. Oui, il t'a rien, t'es mal nommé. Mais Bébert, non, on s'en fout, Bébert, casse-toi. Mais laisse-moi passer. Et puis je rentre. Alors, tu vas essayer de le convaincre, tu vas me faire un jeu de bluff. Est-ce que je peux faire
en voyant, oui, semblant, en voyant d'accord. Je tire un carreau d'arbalète loin au-dessus de sa tête. J'attendais cette réaction pour donner plus de crédibilité. Oh, donc tu lui tires quelques flèches, tu vois, tu passes juste à côté de Diego, il fait oh putain, tiens, bon allez, vas-y, passe, passe. Ah, merci, merci. Oh là là, ça, il est dangereux. Et il referme la porte. Et donc, bah toi, tu rentres à l'intérieur et Azaret, tu entends Diego qui rentre, dit bah, et tu vois que les gars, ils disent mais espèce de trou. Je t'ai pas payé pour ça. Ah, c'est trop dangereux là, c'est trop dangereux, je vous assure. Oh là là. Toi qui te donne une sorte de tape sur la tête. Ici, crétin. Il fait habituellement, si t'étais de ma bande, je te couperais un doigt. Et d'ailleurs, je devrais le faire, mais on a besoin de trop de pas tout mes doigts. Non, non, pas mes doigts. C'est bon. Et il regarde Robert qui arrive. Ils ont un tireur d'élite de l'autre côté. Le kobold, il déconne pas. Et là, ouais, en parlant de kobold, moi je vous dis, il y a quelque chose qui arrive de l'autre côté et c'est pas bon pour nous non plus. Il dit comment ça? C'est quelque chose qui émet une sorte d'alarme. Il y a quelqu'un qui nous a eu. Les mêmes qui nous attaquent. Et là, il regarde. Ah, c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'ils sont là. Ils ont réussi. Et il dit, ah bah tant mieux pour la gueule de Rosen. Elle a pas fait son taf. Hein. Elle a pas fait attention. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas rester coincé là. Bon, chef, on pourrait peut-être discuter avec eux, je sais pas, histoire de pouvoir s'en aller. Quand ils sont en train de discuter, moi j'entends qu'il y a Diego, on est bien d'accord. Tout à fait, hein, tu entends qu'il y a Diego. Ok, du coup on continue à faire le mouvement là pour attirer l'attention, et en fait en même temps je crie « Je suis au courant, Clo, que t'as une potion d'invisibilité, on te laissera pas l'utiliser ah, !» Pour faire passer le message. Là, les autres se regardent. Ah, il nous a écoutés. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Il dit, il sait pas quand je vais l'utiliser. Il fait, ouais. Il dit, bon, ils sont toujours là. Toi, tu dis qu'on peut discuter. Non, on peut pas discuter. Le maître nous tuera tous si on rate la mission. Pour grande récompense, grand risque, les gars. Donc, si on veut tout cet argent pour pouvoir nous sortir de cette merde dans Valiance, on puisse devenir des gens, des quelqu'un, payer nos dettes pour certains, toi qui regardes Trouberk, eh bien, il faut clairement mettre sur la table notre vie en jeu. Et moi, j'ai quelques pouvoirs que le maître m'a donné, qui peut toujours nous faire changer la balance de notre côté. Et j'aimerais éviter de m'en servir immédiatement. C'est dangereux. Pour vous tous, toi qui n'y a rien. Oui, Wawaz et Elena qui regardent, elle fait bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend de voir ce qui se passe. Il regarde Bébert. Bébert, tu vas nous servir pour essayer de négocier. T'as envie de t'en sortir vivant, hein? Tu veux tes quelques pièces? Non, pas mes doigts. Ouais. Qui justement, il sort de ses dagues. Donc, tu vas essayer de faire gagner du temps. Kazari, ça tu l'entends pas. Hein. Okay. Tu vas essayer de faire gagner du temps parce qu'il y a quelque chose qui va arriver et il y a de fortes chances qu'ils vont s'occuper de nos gaillards. Et regarde, Wawaz, combien de temps à ton avis? Si c'est pas eux. D'ici quelques minutes, ceux qui ont... Il va certainement se passer quelque chose. En tout cas, on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être 10 minutes, 20 minutes, grand maximum. Et du coup, je sais pas, j'ai pas tout compris. Il fallait faire un truc avec les potions, mais ça n'a pas été fait. Il y a peut-être un moment... Dis-leur qu'on a le chien. Et qu'on peut leur redonner... à condition qu'ils utilisent les potions sur les symboles dans les pièces
dans les autres pièces. Je veux bien. Alors, je vais tenter si tu veux. Je t'explique. Il y a des symboles dans les autres pièces. Il faut les chercher et les trouver. Et logiquement, il regarde Trauberg. Deuxième porte à gauche. Lorsqu'on arrive dans la pièce d'entrée, là, ouais, on tourne à droite. T'as compris, Bébert? Gauche, droite, non, ouais, non, un truc non, comme ça. Quand on est arrivé dans la pièce. Ouais. Regarde-moi, Bébert, concentre-toi. Je sais que c'est dur de viser ta tête. Mais je te regarde. Donc, quand t'arrives, tu tournes à droite. Il y a une porte qui est ouverte. Ouais. Un long couloir. Et là-dedans, il y a plein d'autres pièces. Et dans toutes ces pièces-là, il y a un symbole dans une des chambres. Si j'ai bon souvenir, c'est la deuxième à gauche. Tu vas pas au fond, ça sert à rien. Il y a une grille, ça a l'air d'être une sorte d'égout, je sais pas où ça mène. Mais, d'accord. Voilà, donc tu vas là, et ici, il y a un symbole. Donc tu essaies de faire en sorte qu'ils mettent le truc dessus. Et en échange, tu leur dis, allez, qu'est-ce qu'on leur dit, patron? On sait même pas ce qu'ils veulent. Je vais parler avec eux. Tu vas parler avec eux et tu leur demandes ce qu'ils veulent. Alors, je peux en trouver un peu la porte pour parler ou pas? Ou je parle de derrière? Tu sors par la porte vers la flotte. Vers la flotte? Oui. Tu fais le tour, et tu montres bien que t'es pas armé ou quoi que ce soit. Ah bon? D'accord, parce que il est juste derrière. Enfin, je crois qu'ils sont juste derrière. Ouais, mais je sais pas si c'est le chef qui est là, hein, puis vu comment il parle, qui dit ce qu'il veut. Vous êtes le chef? Est-ce que vous êtes le chef? Tu t'adresses de quel vers la porte où il y a Azaré. Vous êtes le chef? Oui, c'est moi le chef. Ah, c'est votre chef. Parce que on voudrait vous proposer un deal. On vous écoute. On veut vous rendre votre chien. Mais du coup, il y a des choses à faire pour ça et on pourrait faire un deal et comme ça. Tout le monde s'en sort bien, vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qui nous prouve que après vous allez pas nous retomber dessus pour nous finir? Je regarde. Je vois que le chef te regarde. C'est eux qui nous sont tombés dessus. C'est vous qui nous avez attaqués. Qu'est-ce qu'ils veulent? Demande-leur. Qu'est-ce que vous voulez, okay. Donnaz, vous avez l'air d'avoir le cerveau cuit à la. Cuit par de la drogue. Je l'arrête un peu. Qu'est-ce que vous nous voulez? Parce que c'est. Voilà, vous. Qu'est-ce que vous. Voilà, bordel. Bordel! Hein? Quoi? Hein? Merde! On veut la clé quand même! C'était bon! Quoi? Non mais. La vie est Je sais pas si ça sera possible pour votre chien! Mais t'es con! Pardon. Non mais parce que voilà, il est pas en grande forme, mais si vous voulez vraiment le récupérer, il y a. Voilà, il faudrait aller dans. Il y a des symboles et il y a des potions. Et si on vous donne les potions, vous pouvez aller les mettre sur les symboles et comme ça après, ça te permettrait. C'est con, ils voudront jamais. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez, bande de nazes? Mais de quelle potion vous parlez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Putain, mais je sais rien ce que je vais répondre. On est venu chercher un trésor. On nous a parlé d'un trésor. Tu vois que Bébert, tu vois que le chef te regarde, il regarde ses compagnons. Comment c'est possible que des nazes pareils ont réussi à rentrer dans un laboratoire secret qui est hyper difficile à passer les protections pour juste trouver un trésor? Ils se sont peut-être perdus. La chance du débutant.
J'ai une idée, chef, j'ai une idée. On peut partager le trésor si vous voulez. Alors, on peut partager le trésor si vous faites ce qu'on vous dit. Donc le chien plus la moitié du trésor. Ouais, la moitié, ouais, la moitié du chien et la moitié du trésor. Un truc comme ça. Mais si vous faites ce que vous dites, tout ira bien. Mais c'est quoi ce que vous dites finalement? Il y a des potions à prendre, je sais pas quoi là. Pour expliquez-moi le trésor, mieux. Il faut le trésor est dans la grande caisse sur à l'extérieur. Et pour ouvrir la caisse, il faut casser les protections magiques. Il faut utiliser les potions sur les runes. Il dit Bébert vous a expliqué. Bon, Bébert. Donc toi qui dit, te prends à l'écart, il te dit, bon, je t'explique où ils sont, tu vas leur expliquer. Ouais. Et tu vas faire en sorte de les aider parce qu'ils n'ont pas l'air d'être des flèches. Hein. D'accord. Et... ils ont l'air d'être très, 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 très cons. Donc on a une chance de s'en sortir et je te donne une prime. Une prime, c'est-à-dire je triple ce que tu es censé gagner. Attends, chef, j'ai une idée. J'ai une idée, chef, si je leur demande de nous aider contre ce qui arrive et que tous ensemble on le combat, est-ce que tu penses qu'on peut le jouer comme ça? Parce que ça se trouve, si on combattait que nous, on n'y arriverait pas. Mais avec eux, on y arriverait peut-être. Toi, que t'as les autres. Un ennemi commun, mais on sait même pas ce que c'est. C'est peut-être rien du tout. Ouais, mais il avait l'air de dire, là, lui, que ça allait être tendu, hein, qu'on allait tous y laisser notre peau. Alors, moi, j'ai envie de dire, mourir pour être riche, c'est con, quoi. Autant être riche et rester vivant, tu vois, mais un peu moins riche, s'en fout. Tu vas me faire un jet de diplomatie pour le convaincre. Ok. Faut que je regarde si j'ai des bonus au jet que je vais faire. Étant donné la situation et comment ça se passe, j'accepte même... un deuxième jet et tu prends le meilleur. Je vais faire, mais je dois avoir des bonus à ce jet-là. De toute façon, attends, je vais regarder juste si j'ai des bonus en diplomatie. J'ai surtout ambitieux, donc j'ai plus 4 en diplo pour le convaincre. S'il n'a pas plus 4 de dé de vie, s'il n'a pas 5 dé de vie de plus que moi, j'ai plus 4. D'accord. Donc ça fait 26. Toi qui te regarde, ouais, on va être méfiant, mais ça peut être un bon plan. Mais on va faire très simple. Chacun de son côté, on sort tous, avec les armes en l'air, mais on ne se tire pas dessus. Tu vas leur expliquer ça, tu fais en sorte qu'ils se préparent. Et Wawaz, viens rien là. Wawaz, tu vas leur expliquer ce qui se passe. Ok? Et tu vas leur expliquer qu'il y a un truc méchant qui arrive pour les convaincre avec Bébert. Tu vois que le pauvre kobold. Vous me couvrez pas? Il fait non, on te couvre pas, tu vas te démerder et tu vas faire en sorte que ça marche. T'es avec Bébert. Ah, je te couvre, t'inquiète. Et toi qui te regardes? Non, mais je préfère me casser une patte que d'aller avec Bébert. Hein. Il s'est caché durant tout le combat, cette forêt. Il va me laisser sur place et puis ils vont me fumer de flèches. Non, mais t'inquiète, là pour sauver ma peau, t'inquiète, on va trouver la solution. Faut les convaincre pour qu'ils mettent les potions et qu'on soit ensemble pour affronter ce qui arrive. Alors, et puis après, on leur fera peut-être à l'envers, tu vois. Donc, Zaré, tu n'entends pas tout ce qui se passe, hein, d'accord? Tu essayes de faire abstraction. Et tu entends, nous sommes prêts à négocier, il y a un autre danger qui arrive. Un danger peut-être plus grand. De quel danger est-ce que vous parlez? L'un de nos gars a été un parasite magique qui semble émettre. Je vous envoie deux de mes gars qui sont pas armés. Envoyez le chien avec. Ok. On est d'accord. Bon, ben... la moitié du trésor, on a dit. Hein. Donc, Kragnot, toi, t'es toujours...
tour près, donc tu vois qu'en effet que les deux gars sont un petit peu en mode panique, hein, et tu vois qu'ils essayent de trouver un moyen de sortir vers l'eau en disant hey, par ici on pourrait passer par là et nager jusque là-bas. Et tu vois le gnome qui a nagé jusque là. Attends, on pourrait prendre la barque, on pourrait la pousser et puis on se barre. Oui, on les laisse tous ces cons. Ah ouais, c'est pas con, mais il faut attendre que l'eau arrive, hein, parce que il fait mal, essaye, avance, on verra bien. Donc tu vois que les deux autres cons essayent de trouver un moyen d'utiliser la barque. Et à un moment donné, tu vois qu'une porte s'ouvre. Après, Azaré, est-ce que tu vas avertir Craniote? Bah, je suis toujours on est en train de discuter avec Diego là, donc on était censé ils étaient censés venir nous voir, donc du coup si je veux voir Crynote, je suis plus là. Bah oui, honnêtement je vois pas comment il peut me prévenir en fait. Oui tout à fait, oui. Donc ouais, il peut aussi prévenir le PNJ qui fait le boulot de. Ouais, je peux envoyer Azav une remarque. Donc, est-ce que t'as vraiment essayé court. Est-ce que t'as vraiment ouais, t'as mais vraiment non. Envie de rester tout seul. Ouais, non. Face à une porte où tu sais qu'il y a quatre personnes qui veulent ta peau derrière. Ouais, non. Je lui dis pas d'y aller, hein, parce que je veux pas rester tout seul, effectivement. Comment il reste avec moi. Non. Azaré, n'écoute pas ce que dit Crayot ou moi-même. Ce ne sont pas forcément solutions. Décide de ce que tu as envie de faire. J'allais pas rester tout seul en étant à moitié amoché déjà. Fais confiance aux gens qui ont tué ton chien. Il y a Diego de l'autre côté. C'est bien ce que je dis. Je n'ai pas tué son chien. Pauvre toutou. Donc, Diego, t'as le chien de Rafale entre les mains. Et ta voix, vas-y, passe devant, bébé. Ouais, j'y vais. Ouvre la porte, là. Toi qui ouvres la porte. Je vais sortir avec le chien. Ne tirez bon. Pas, nous sommes en négociation. Nous apportons le chien. Je préfère être clair. Il n'a pas l'air en grande forme, hein, mais on est toujours d'accord pour la moitié du trésor. Hein, mais il n'a pas l'air en grande forme. Hein, faudrait, je sais pas, si vous avez des pouvoirs magiques, peut-être. Peut-être que vous allez faire quelque chose. Amenez-le nous, on va s'en occuper. T'es pas du bon côté là. Ah mince, il me parle plus à moi en fait. Ah non, là, toi qui sont en train de parler dans la pièce, okay, mais ils sont où le gars, il a pas fait le tour. Bah, il tenait la porte peut-être. Ah oui, c'est pas bête ça. Bon bah, fermez la porte derrière Bébert, il va se démerder avec Wewaz. Ok, bah du coup, effectivement, j'avais pas compris qu'ils allaient partir par là. Moi, je pensais qu'ils allaient venir par la porte dans laquelle on était. Donc, surtout que je fais pas vraiment ça, en fin de compte. Et que toi, tu considères que je pars par là, mais moi, je n'ai aucune intention d'aller dans cette pièce. Non, mais parce que depuis le début, je reste devant la porte, et quand il me dit d'aller par là, moi, à chaque fois, je vais vers la porte. Ah oui, ok. Parce que, ouais, mais je parle à la porte, moi, donc je veux pas aller faire le tour. J'ai omis, tu vois qu'ils ont essayé de bloquer avec des objets pour ah ouais, c'est trop compliqué à virer. Ils ont pas spécialement envie d'enlever la barricade, ouais, sinon ils vont rentrer quoi. Alors, je vais passer par l'autre côté vers l'autre passe, parce que là la porte on peut pas trop l'ouvrir, d'accord. Faut aller de l'autre côté pour récupérer le chien. Ok, ça marche, on fait le tour. Et puis quand il me demande de me barrer avec Wawaz, je me retourne et je regarde le chef. Je dis ouais mais chef, vous nous abandonnez pas là, parce que ça va arriver par là. Mais on a dit qu'on allait le combattre tous ensemble. Hein. Et toi qui sais rien, il fait oui, on va se battre tous ensemble, mais il faut déjà que les autres cons comprennent qu'il faut mettre les potions. Donc là tu leur donnes les chiens, t'as l'air de bien parler, tu sais faire une chose, c'est bien. Alors, au moins t'es utile. Mais sont où les potions, chef? À côté du sarcophage. Il dit, ici, on l'a déjà fait. Et j'avais déjà donné une potion à Rosane. Et Wawaz, elle connaît tous les endroits, c'est ça? Toi, tu Wawaz, rien. Bah ouais, c'est vrai, je sais où c'est. Bah alors, on y va, alors. Allez, tu vas leur expliquer, hein? Parce que moi, j'en sais rien. Bon, allez, on y va. Du coup, je finis par sortir, en effet, du côté de l'eau.
Ça marche. Et donc, bah donc du coup, avec... Oui, Robert qui vous couvre. Faites gaffe, hein, sinon je vous tire dessus si vous lui tirez dessus. Avec Azavine, on va rejoindre Krenlund, du coup, en fait. Bah ouais. Donc, du coup, moi, je vois trois personnes sortir. Je suppose Wawaz qui se planque derrière Diego. C'est ça. Après, il est petit. Hein, je ne laisse pas plus s'approcher parce que, par contre, quand je vois que Trobert il est armé, bah, je lui tire une flèche. Hein. Alors, t'as entendu hein, quand même à ce qu'il a dit. Hein. Non, moi je suis trop loin, j'ai pas entendu. Non, si, tu l'entends. Ah bon c'est ce qu'ils ont. Ils t'ont dit des trucs hein, avant, hein, Cragnotte. Ils disent non, ne tirez pas, on est en négociation. Avancez pas plus. Ah oui, voilà. Donc, et puis tu. Avancez pas, moi. Quand tu dis ça, fais gaffe, hein, machin, si tu tires dessus, je te tire dessus. Hein. On est en négociation. Avancez pas plus. Dis donc, je plombe le mage. Je tiens un peu le chien comme ça. Je dis, je veux pas lever les mains complètement, sinon le chien il va tomber. Et hey, ta Wawa derrière, il fait pourquoi vous me tirez dessus? Lui il est vachement plus grand. Salaud, t'es un kobold, tu me tires dessus. En même temps, moi j'arrive expliquer le reste de la situation que j'ai entendu à Krenlund. Et Krenlund, je crois que Diego il a commencé à monter un plan. Là, il nous rejoigne pour nous donner des ordres, mais on va essayer de faire quelque chose avec Diego. Là, laisse-les s'approcher. Bon d'accord. La grande perche et le kobold, ils peuvent avancer, mais seulement eux deux. Et derrière, il fait ouais. Et puis si tu leur tires dessus, je te tire dessus. C'est le kobold de merde. Tu veux que je te remette deux carreaux dans le cul, mon gars? Tu vas voir, moi aussi, je sais bien viser. J'étais pas en forme. Hein. Tu vois que tout d'un coup, il se prend une tape sur la tête, le gars. Il fait, vous arrêtez vos conneries, oui. Donc, bon, bah écoutez, hein, vous avancez. Vous voyez qu'il apporte le chien. Donc, je garde Trobert bien dans ma ligne de mire, par contre. Hein. Ouais, tu vois que lui aussi il te vise. Hein. Alors, je pose le chien là. Bon, comme j'ai dit, il n'est pas en grande forme. Là, il va tout vous expliquer pour les potions. Tout ce qu'il y a à faire, il va vous le dire. Toi qui n'as rien, il fait plus de potions. Oh non. Vous avez pris les potions? Les quoi? C'est vous qui avez les potions? Il y avait des trucs ici. Regarde le cobalt. Wawa regarde Cragnotte. La cobalt, parce que c'est une. Et là, je regarde. Il y avait des trucs ici. Je regarde intensément Diego. Je hausse un peu les épaules. Là, de dire, je dis quoi? Je te fais un espèce de signe. Ouais, moi j'en ai récupéré une, mais je crois que les deux dégourdis là-bas, ils en ont pris une aussi. C'est vous qui les avez quoi. Alors si vous les avez, vous pouvez peut-être faire ce qu'ils vous demandent. Bah, ça dépend, faut faire quoi? Pour avoir le trésor, pour ouvrir le sarcophage, il faut utiliser les fioles sur les symboles magiques qu'il y a dans les pièces à côté dans le laboratoire. Et il va vous dire où elles sont, comme ça après il n'y a plus qu'à y aller. Je suis une dame. Bah, elle va vous dire, enfin ouais, c'est bon, c'est. Des fois je suis désolé, c'est la pénombre et tout. Mais non, mais. Non, mais. Vous êtes. Enfin voilà, il faut faire ce qui. Et tout ira bien après. Ils pourront partager. Bon, pas de problème. Ah, elle a dit 50-50. Pendant les discussions, moi je vais quand même au niveau de Rafale et puis j'essaie de stabiliser si c'est pas trop tard. Tu regardes et malheureusement tu vois qu'il est décédé. Ah. Les escrocs, vous nous avez menti, le chien est décédé. Ah, qu'il n'était pas en grande forme et qu'il fallait d'un peu de magie pour faire quelque chose, je voulais dire. Mais on a mis trop. Et là, Wawaz il dit mais c'est pas de sa faute, on a mis trop de temps pour venir jusque-là. Et ce chien est mort pendant le temps qu'il le sent, tant qu'on se mette d'accord. Vous croyez quoi? Que ce truc, qu'avec de telles blessures, ce chien pouvait survivre longtemps? Je me vengerai.
Je le vois, mais ouais. C'est pas le moment là. Je pense que si on fait pas ça vite au niveau des potions, ça risque de. C'est quoi cette histoire de potions encore? Elles sont où ces potions qui... où... Alors, on en parlait des potions tout à l'heure. Il y a des potions qui devaient être là, qui sont plus là. Il y a des potions qu'il faut emmener à un endroit. On sait pas où c'est cet endroit. Va falloir être un peu plus clair là si vous voulez qu'on fasse quelque chose avec vous. Elle va vous le dire, faut écouter. Alors je lui ai dit, les potions qui étaient là, il faut les prendre, il faut les aller dans les pièces du laboratoire. Il y a des symboles magiques, des runes qui font partie d'un rituel pour ouvrir le sarcophage et son trésor. C'est la troisième fois ou quatrième fois, je sais plus combien de fois je l'ai dit. Faut juste prendre. Mais t'arrêtes. Ouais, mais si t'arrêtais de répéter toujours la même chose et tu disais exactement où elles étaient. Les runes. Et alors, bah, ils sont dans les pièces du laboratoire, il faut aller chercher. Logiquement, y a Rosed, la nana qui était avec les deux crétins qui étaient ici, qui avaient trouvé. Elle est où? Je sais pas, on l'a pas vue. Bon, elle est partie dans le couloir gauche de l'entrée, donc ça doit être par ici. Et on sait qu'il y en a un à portée droite et il y a une rune dans la pièce où vous êtes. Et quand on met ces potions sur les runes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Quand elles sont toutes activées, ça permet d'ouvrir le trésor. Mais je veux dire, on ne court pas de danger à aller activer les runes avec les sorties, avec les potions. Est-ce qu'on peut essayer de déterminer s'ils nous racontent des cracks ou pas? Bah, tu peux faire un jet de psychologie, tout à fait. Moi, je veux bien essayer de savoir, en effet, l'honnêteté de cette personne. Tiens, moi aussi. Toi, tu sais déjà qu'il y a pas de, qu'il y a probablement pas de trésor dans le sarcophage. C'est sense motive, c'est ça? Exactement, c'est sense motive. Yeah. Et joli pour Azaré. Tiens, dis donc. J'ai fait un jet caché, mais j'ai fait un vieux 1. Il est trop flippé, le pauvre Cobalt ne ment pas sur l'utilisation des rituels. Ça sert à quelque chose avec le sarcophage, mais ce qui est du trésor, il semblerait pas qu'il y ait de trésor, quoi. Et que le 50%, c'est... Pour eux, quoi, pour elle, ben, vous êtes des cons, quoi. Vous savez pas pourquoi vous êtes là. C'est très bien. C'est très bien si c'est ce qu'elle pense. C'est très bien. Parce que, en effet, bon, il y aura le sarcophage n'est pas un trésor, quoi. Ok. Bon alors, ok, on peut envisager, ouais. Donc les potions. On en a une, nous, celle que Krainot a récupérée. Moi, je peux commencer à aller voir dans les bâtiments et pour voir, essayer de et mettre la potion sur la rune. Krainot, tu t'essayes de retrouver la deuxième? Je crois que c'est les deux débiles là-bas qui en ont une. Tu devrais pouvoir la récupérer, non? Mais c'est pas mes débiles. En plus, je crois qu'ils essayent de remettre le bateau à l'eau. Donc tu vois en effet qu'ils essayent, hein, ils galèrent un petit peu. Et je dis non, on fait pas ça, vous inquiétez pas, on regarde juste si le bateau va pas couler. Et s'il y a des trous, ce serait dommage. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Hey, les gars, là, revenez par ici, vous deux là. Venez par là et vous allez aller nous aider à aller mettre les potions là sur les symboles. Mais ça va pas, vous nous avez abandonné, vous avez tiré des flèches partout, sauf sur nous, bah encore eux. Moi je vous ai pas abandonné, allez reviens par là, dépêche-toi. Là tu vois qu'il y a une tête qui sort. Comment? On t'a pas vu du tout du combat? Tu t'es cassé? Bébé, enfoiré. Allez, dépêchez-vous là, on n'a pas que ça à faire, bordel. Donc vous voyez Robert qui est en train de viser. Si vous voulez pas des flèches dans le cul, allez faire ce qu'on vous dit. On vous paye assez cher pour ça. Ouais, c'est cher. Il dit, vous voyez que le gars, j'ai trop mal au ventre, je vais rester là. Je fais, bon, j'y vais, moi. Donc vous voyez que allez, son copain, c'est bien. Kirby, il fait, bon, je vais bien, et on se dépêche. Hein. T'as une potion? Bah non, j'en ai pas, moi. Pourquoi vous... Ah bah tiens. Bébert, tu viens avec moi, hein.
Ouais, d'accord, je viens avec toi. Allez, vas-y, passe devant. Tiens, prends la potion. Ok, d'accord. Allez, viens. Il rentre, Kirby. Bah, y a un mec coincé dans une queue. Non, mais chut, tais-toi. Allez, avance. T'as l'air d'être au courant. Ça t'inquiète pas qu'il y ait ce gars-là? Non, mais je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on foute les potions sur les symboles et après qu'on se casse. Je veux juste partir le plus vite possible d'ici. Moi, bon, après, celui qui est dans la cuve, c'est pas mon problème, quoi. Allez. Attendez, là, ils ont pris la potion de qui, là? Il en avait vraiment une, les gars? J'en avais une de mémoire, j'en avais une. Enfin. Il avait la potion. Diego avait une potion. Il avait la potion qu'il avait trouvée sur Rosen, en fait. Okay. Non, pas sur Rosen, non, sur Jibilo, je pense. C'était Jibilo qui avait passé sa potion pour pouvoir... Mais... Ah oui, on n'a jamais fouillé Rosen, c'est vrai. Si, il y a une potion à juste à côté de Rosen, ça ouais, c'est sûr. Au sol, ouais. Oui, mais on l'a jamais fouillé. Donc, mais ça, c'est... Ça, je sais pas. Attends. Il fait... C'était par où? À gauche ou à droite? Bon, je réunis les neurones qu'il m'a dit, là, et puis comme il m'a expliqué trois fois le chemin, je prends le chemin qu'il m'a dit. Donc c'est en bas. Très bien. Je te l'accorde. Non, mais comme je demandais plusieurs fois de répéter, je me dis si, c'est bon. Le pauvre cobalt, tu sais. Bon, alors, pour la quatrième fois. Attends, en parallèle, moi j'ai pris la potion que Crynot il avait, et puis moi je vais aussi avec eux, puis je fais le tour. Enfin, eux, s'ils prennent sur l'entrée de droite, moi je prends la tête de gauche. Ok, donc tu vas. Est-ce qu'on a eu le temps de cheminer un tout petit peu ensemble ou pas? Est-ce qu'on aurait pu cheminer genre 15-20 mètres ensemble pour avant de se séparer? Moi, je suis parti en même temps qu'eux. Oui, bah, je considère que vous êtes partis ensemble. Après, je ne sais pas ce que fait Kurt, alors... s'il va avec vous. Ou... Ah non, moi je continue à braquer les débiles. Ouais, ouais, il prend une potion. Il fait, vous l'avez mis, la potion, sur la pièce où vous étiez? T'as quoi? Cragnotte. Non, c'est Cragnotte. Toi, là, qui me vise avec ton arbalète. Oh. Est-ce que vous avez mis de la potion sur le symbole qui est dans la pièce où vous étiez? J'ai pas eu de potion. Je m'en occupe parce que bon, je sais pas pourquoi je vous fais confiance, mais j'imagine que si tu me tiens une flèche dans le dos, t'auras encore plus de problèmes. T'es pas un crétin, hein? Je suis très tenté d'appuyer sur la détente là. Alors, donc, pendant ce temps, toi, tu vas là-haut. Pue tellement la merde d'ouvrir ce sarcophage. Ça pue tellement la merde. Je suis magicien level 1 et je sens tellement que ça sent les embrouilles. Donc, toi, tu arrives là-dedans et tu vois qu'il y a du gaz qui remplit un peu la pièce. Et en bas, vous voyez donc... vous entendez le clapotis de l'eau qui vient de la pièce du bas, et comme prévu, tu vois en effet un symbole dans une des pièces où ça a été ouvert. Là, tu parles. Moi, j'ai le clapotis et c'est ça. J'ai le clapotis à Zaré à le gaz. Ok. Alors dans le chemin en avançant vers Zaré. Alors, en même temps qu'à Zaré, j'ai fait. Il faudra quand même faire attention parce que une fois qu'on aura mis les symboles, faudra. Voilà, faire gaffe, quoi, parce qu'on se la met pas en l'envers, ni l'un ni l'autre, hein, on s'est compris. Ouais, ouais, pas de problème pour l'instant, tant que vous respectez votre part du marché, qu'on a la moitié du trésor. Ouais, pas de problème. Je fais gaffe qu'il regarde pas Oise-Oise, là, et puis je lui fais un petit clin d'œil. Je sais pas si... Fatigo, du coup... J'ai envie de te demander un jet. Parce que t'es tellement doué en discrétion que moi, je te vois bien en train d'essayer et de le faire devant. Non, tu fais attention quand même, là. Fais ton jet de discrétion quand même. Oise-Oise. Puis Oise-Oise, elle a des toutes petites jambes, elle vous rattrape pas tout de suite. Hein. Attends, merde. Attention, c'était quoi déjà? C'était Stealth. Stealth, yeah. Putain, là, les gars. Ah, c'est pas mal. Il a fait un G-Core. Déjà.
Ça va, et il a attendu, il a fait. Plus d'une fois, bien sûr. Il est joueur. Ah putain. On est chaud quand même. Bon, ah putain, je suis du mal. Bon, pendant que toi tu fais ça, il y a en effet le gaz qui est de ton côté, hasard. Du coup, je m'en aperçois rapidement. Donc, oui, est-ce tu que vois, hein, tu vois la substance du gaz, hein, tu vois que c'est vert, t'es là, tu es là. Mais je perçois un danger quand même ou je rentre pas plein dedans quoi, je reste en retrait pour l'instant. Bah oui, pour l'instant tu vois qu'il y a un peu de gaz, il y a un peu d'odeur, mais bon, pour l'instant ça t'irrite pas quoi. Tu peux okay. faire un jet de perception pour trouver le fameux symbole. Allez, perception. Tu ouais, bah voilà. Pas. Fallait bien rééquilibrer. Écoute, je vais pas rentrer dans ce gaz là. Si je le vois pas directement, je reste pas en contact avec ce truc là. Du coup, je me mets un petit peu en retrait. Je vois qu'il y a des espèces de chambres latérales là. Oui. J'en profite pour checker ce qu'il y a dedans. S'il y a pas de choses intéressantes qui pourraient m'être utiles. Bah, ou... Tu vois en fait que c'est des pièces qui ont été dévalisées depuis longtemps. Alors peut-être qu'auparavant il y avait peut-être des lits, des trucs, des chaises, comme c'est marqué sur la carte. Mais aujourd'hui, ce sont que des débris. Et des restes d'un ancien bâtiment, et tu vois bien que tout ça, ça a été pillé depuis longtemps. Quoi. Ok. Bon, bah, du coup, je revais dans l'autre sens, je vais en direction des autres, je piétine un peu de Gibilo au passage, et du coup, je leur dis mais c'est un piège encore votre truc là, il y a plein de gaz dans la chambre du fond là-bas, moi j'y vais pas, hein. Et en plus, j'ai pas vu votre symbole. Hein. Toi que Kirby te regarde. Et puis ah ouais, c'est vrai, il y a du gaz. Il a irrité les yeux de ta l'heure. Moi, c'est pas un piège. Hein. C'est juste que il faut se mettre du tissu, quoi. Tu as déjà été toi, donc tu l'as vu ce symbole? Ouais, il est haut. Oui. Alors attends, déjà tu redescends. Bébert, ouais. T'étais avec nous? Est-ce que nous, on a eu le temps quand même rapidement oui. de voir où était le symbole, de foutre le truc dessus oui, pendant avant. Ouais. Ça fait quoi quand on a mis le truc? Ça fait quelque chose? Ça sentit, et en effet, tu vois que le symbole rougeoie et tu vois une ligne qui semble aller en direction. Tu vois que ça, en dessous de tes pieds, tu vois une ligne qui est en train de tracer et Azaré, quand il s'en approche, il voit en effet une ligne qui s'illumine. On dirait ouais, c'était pas très compliqué. Écoute, tu mets le truc sur le symbole là, et puis en effet, je pense que si tu rentres avec un peu de tissu et un peu d'eau, un tissu mouillé, ça devrait bien se passer. Allez, t'es parti. Bébert, il comprend. Ouais, bébé, il comprend, mais du coup, comme vous comprenez bien, c'est vous qui allez le faire. Je leur file la potion. Tu te démerdes, je veux dire, 50-50 quoi, merde, putain. Exactement, 50-50. Il y en a marre que c'est toujours nous qui faisons tout. Déjà les autres là qui se la pètent de l'œil du machin là, les cons là, ils font genre ils ont tout fait alors qu'ils ont rien fait. Et si moi, Bébert et mon pote, comment il s'appelle déjà? Et du coup, allez, vas-y, on y va, on enchaîne, on a pas que ça à faire, quoi. Ouais, allez. Oh, vas-y, accompagne-le, tu vas, vas-y. On y va. Okay. Bah, je me mets un linge mouillé, mais je rentre pas trop, moi. Je laisse faire, du coup. Encore une fois, bah, donne-moi ta fiole. Ah tiens, vas-y, ta fiole. Ta fiole. Vas-y. Je le regarde faire. Franchement, on mérite plus de 50% avec des gaillards comme vous. Allez, vas-y, enchaîne. Tu vois qu'il arrive. De l'autre côté, un craignot, t'as vu Wawaz qui est revenu. Tu vois en effet qu'il y a des lignes qui apparaissent sur le sol. Et pendant ce temps, craignot. Tu vas me faire 2 jets de perception. Oh putain. Alors.
Troisième critique, hein, je tiens à préciser. Ouais, je troisième vin naturel. Ok. Donc, tu remarques des ombres dans la flotte qui semblent attendre. Donc, tu as l'impression qu'il y a quelque chose dans l'eau qui, petit à petit, se sont mis à apparaître et qui semblent se préparer, toi, qui se rassemble de ton côté comme celui du bateau, tout comme du côté de Troberk. D'accord. Donc, partout dans l'eau ? Ouais. Ah. Et c'est genre des grosses ombres, des ombres, non, enfin des pas, ombres. Quoi, ça dépend ce que t'appelles gros. Disons que par rapport à toi, oui, c'est plus gros que toi, oui. Enfin, genre taille humaine. Ça peut être la taille. Oui, voilà, c'est pas non plus genre le truc qui fait 4m50 sur 4m50. Non, c'est en effet, c'est son. Disons que si ça devait être des poissons, ce serait des sacrément gros poissons, quoi. D'accord. Que je... Donc je. Je jette un coup d'œil comme ça, puis je regarde Azavine et j'ai dit « T'as vu ces trucs dans l'eau ?»« Oh, bien vu. C'est pas normal. Hop, toi qui se mets derrière le sarcophage. Qu'est-ce qu'on fait ?» Toi que Troberk vous regarde, tu dis « Qu'est-ce que vous faites là hein ? Pas dans Torloop, hein ?» T'excites pas, je crois qu'on commence à avoir un comité d'accueil. Donc au moment où tu entends ça, donc tu vois bien que le fait que tu as dit ça et que tu montres bien que tu les as vus, il y a des formes qui sortent de l'eau et tu vois malheureusement que le pauvre Kladlos se prend une sorte de trident dans le corps qui l'empale sur la barque.